vous appelez comment ? Je m'appelle Domu, c'est mon nom de guerre. Domu, D-O-M-U ? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que vous portez un gilet jaune ? Alors, je porte un gilet jaune pour deux raisons au départ. La première, c'est que donc, nous sommes à la retraite et que nous avons écopé de la hausse de CSG. Donc, ce qui fait que nos retraites sont réduites, ce qui est totalement inadmissible. Je pense que personne accepte de payer comme ça, de perdre de l'argent sur son salaire. Nous, c'est notre salaire. On a cotisé toute notre vie pour ça. Ce qu'on gagne aujourd'hui, on l'a perdu hier pour cotiser. Donc, voilà. Et donc, toutes les hausses de prix, les choses comme ça. Et les samedis se succédant les uns aux autres. Et le comportement de notre gouvernement, ben là je suis encore plus remontée parce que je suis persuadée qu'on va vers un état totalitaire. Il y a un certain nombre de lois répressives qui sont passées en premier lieu pour les gilets jaunes. Et là on s'oriente vers un parti unique en France, sans plus aucune opposition. Même si les oppositions étaient minoritaires, elles avaient quand même le mérite d'exister. Là elles seront totalement inaudibles et on va avoir un parti unique en France. Avec des... Je pense que si demain un parti extrémiste arrive au pouvoir en France, il a toutes les armes, il n'a plus besoin de voter de loi, elles sont toutes là. Elles sont toutes là. Et ça, beaucoup de personnes ne le voient pas. Et l'autre point aussi qui a fait qu'on est sorti avec mon mari, c'est quand il a vu, quelques temps avant le 17 novembre, que au Resto du Cœur, 35 ans après, le chiffre des ayants droit, enfin des personnes qui allaient en bénéficier, des bénéficiaires, allait augmenter de 20%, c'est totalement inadmissible. 35 ans après, je trouve, je les félicite, mais je trouve que la présence des Restos du Cœur est un scandale extrême. Et alors que ça augmente comme ça et que personne ne bouge, je ne sais pas où on va. Est-ce que les Restos du Cœur ne servent pas finalement à pallier au prix des loyers ? Parce qu'on voit beaucoup de gens qui ont un loyer, un travail, et qui vont au Restos du Cœur. Ben oui, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, quel que soit le motif. Il y a aussi des gens qui ont un boulot, qui peuvent manger, mais qui vivent dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Il y a aussi l'été, au Resto du Cœur, les SDF ne sont pas admis parce qu'ils sont, pas dans les quotas, dans les critères. Oui, voilà. Alors que les gens qui ont un logement sont admis. Donc il y a tout un tas d'anomalies, de choses comme ça. Autre chose qui était quelque temps aussi depuis, mais hérisse le poil, c'est les 11 milliards qu'il a débloqués au mois de décembre. Les 11 milliards, faut arrêter de nous bassiner avec ça. S'il veut trouver de l'argent, par exemple, là, ils vont avec la diminution, la réduction des impôts, la suppression, on a entendu l'autre soir à la télé, donc, que l'État allait emprunter 30 milliards aux banques. Mais c'est merveilleux parce que les taux bancaires sont qu'à 0,1%, donc on peut emprunter. Vous ne croyez pas que d'aller emprunter, ils allaient chercher de l'argent ailleurs, dans tous les GAFA, tout ce qu'on dit depuis des mois et des mois, on n'aurait pas besoin d'emprunter, quel que soit le niveau de taux. De toute façon, ils pensent que ça ne se compte pas nous qui allons rembourser, mais nos enfants, nos petits-enfants. Mais bien sûr, mais voilà, sur les autres, alors que ceux qui sont là et qui pourraient payer, je pense que tout le monde le sait, quoi qu'ils en disent, on sait tous qu'on a des niches pour aller chercher cet argent-là sans léser les gens. C'est-à-dire que là, on tape toujours, comme depuis des années, sur la classe moyenne. Parce que nous, bon, pour l'instant, ça va, on n'a pas de problème. Mais on en a marre, si vous voulez. Toute notre vie, on a payé parce qu'on était en classe moyenne. On payait des impôts. Mais on avait des écoles, on avait des services, on avait des hôpitaux, on avait des routes entretenues, on avait tout ça. Aujourd'hui, on paye nos impôts, on ne sait pas où passent nos impôts. Ah si, dans les commissions X ou Y qui servent à rien, dont les résultats d'études filent à la poubelle, dans nos députés européens, notre personnel européen, enfin, tout ça, ça part on ne sait où. Ça ne revient pas en France. La France est un pays à l'heure actuelle où on n'a plus d'industrie, où on n'a plus d'agriculture. Alors maintenant, c'est les plateformes logistiques et les...
Les start-up, le grand mot, les start-up. Mais pour vendre quoi? Pour vendre du vent. Aucune réalité, rien du tout. La bourse, c'est sur du vent, c'est tout. Voilà, c'est tout du vent. Et qu'est-ce que vous pensez du REACH? Le REACH, on le réclame aussi, quoi. Il faut qu'on puisse décider comme. Pourquoi est-ce qu'on vend Aéroport de Paris? Pourquoi est-ce qu'on vend les centrales? Il y a déjà un truc en ligne pour l'aéroport de Paris. Oui, alors il paraît que c'est un peu piégeant cette chose-là, il faut que je me renseigne. Il faut prendre votre carte d'électeur et mettre tout ce qu'il y a dessus, mais de la même manière. C'est-à-dire si vous écrivez votre prénom avec une majuscule et des minuscules alors qu'elle est tout en majuscule, ça ne marche pas. D'accord. Et votre code postal, c'est pas le code postal qui est. C'est le code commune? Oui, c'est le code commune. Donc c'est celui qui est proposé. D'accord. Et le RIC, vous voyez? Bon, toutes ces choses-là, arrêter les concessions aux autoroutes qui nous coûtent, qui rapportent peut-être, mais qui nous coûtent. Comment? Les Français ont payé, c'est par leurs impôts que tout ça a été acquis. On va vendre des choses qui sont rentables. Les bijoux de famille? Ben non, les bijoux de famille, c'est un peu tendancieux. Hein. C'est pas ça, les bijoux de famille. Hein. C'était une image. Voilà, tout des tas de choses comme ça, il faut qu'on soit, et qu'on parte, qu'on arrête de signer des blancs-seins à une personne pendant 5 ans pour un président, pendant X années pour un député. Non, à un moment donné, il faut qu'on reprenne la parole, qu'on reprenne les choses. Il paraît qu'on a encore dépensé, ou on va dépenser je ne sais combien de milliards pour renflouer les banques. À un moment donné, il faut arrêter, qu'on n'est pas là pour ça. Quand ils font du pognon sur notre dos, ils font du pognon, ils ne nous le rendent pas, hein, jamais. Quand ils en perdent, il faut qu'on leur paye. Il faut arrêter tout ça, quoi. Ok, bah, je vous remercie. De rien, bon bientôt. Bonjour. Un de ces jours peut-être, au revoir.